ce soir. Planète Rap, Esprit Noir. Passez une bonne soirée, bienvenue, on est sur Skyrock ce soir dans Planète Rap entre 20h et 21h et on est avec Monsieur Esprit Noir. Comment ça va ce soir? Ça va très bien et toi, frère? Plutôt bien. Oui, nickel. On a commencé la semaine, nous n'étions que deux. Oui. J'ai l'impression qu'il y a du renfort. Oui. Il y a du monde qui arrive. Bah, c'est la fin de semaine. Ah, c'est la fin de semaine, c'est normal, c'est normal. Bon, tout va bien? Ouais, ça va, nickel. Le projet évidemment toujours disponible. Toujours. N'hésitez pas à récupérer ce projet de Esprit Noir qui est notre invité tous les soirs de la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Mm-hmm. Et attention, on a du médaillé autour de la table. Ouais. Attention. Attention. Ça là. Pèse lourd quand même un peu. Et peut-être encore un futur médaillé. Ah oui, c'est vrai. Tout est possible. Ça dépend si toi tu viens le supporter. Ah ben, je serai évidemment là. Ok. Dès l'ouverture des JO sur mon bateau. Ok. À rame. Je vais prendre mon bateau à rame et je vais aller faire le tour de la remontée de la Seine. Ok. Je te laisse faire les présentations quand même. Oui. Alors, qui est autour de la table ce soir de Planète? Monsieur Erwin Nkapet. Le célèbre. Ouais. L'incroyable. Oui. 1m94. Par là, ouais. Grand. Un des plus grands volleyeurs de sa génération. Fort. Champion olympique. Attaquant. Champion d'Europe. Uh-huh. Bon, mondial, des ligues mondiales. Mondial. Ouais. Uh-huh. Des champions dans ses clubs où il est passé. À chaque fois, là, il est en Turquie en ce moment, si je dis pas de bêtises. Il y a eu l'Italie, enfin, il y a eu des clubs, mais absolument incroyables. Ouais. Erwin Nkapet est là. Grand champion. Incroyable. Grand merci. Champion. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Et merci pour tout ce que tu fais pour la France. Merci pour la France de faire rayonner la France comme tu le fais. C'est quoi votre connexion à tous les deux? Écoute, notre connexion, c'est on a des amis en commun, tu vois. Et donc du coup j'ai découvert aussi ce qu'il faisait parce que monsieur rap. Mais parce que alors tu te doutes bien que j'ai évidemment énormément préparé cette émission. Quand tu m'as dit qu'Hervé venait, je m'y suis mis, j'ai été à fond. Okay. Et je l'ai vu dans des déclarations, il disait je suis plus rappeur que volleyeur. ou un truc dans le genre. Je suis un rappeur qui a percé dans le volley. Voilà, putain, tu vois, donc j'avais préparé presque l'émission en entier. Je suis un rappeur qui a percé dans le volley, c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu te produis, t'as fait des scènes, tout. Ouais. Mais en fait, le rap, c'est depuis avant le volley, tu vois. Donc c'était une phrase qui m'a fait rire, mais en réalité c'est vrai, tu vois. Je faisais du rap avant de jouer au volley. Vous connaissez depuis un bon petit moment? Ouais, ça fait maintenant peut-être 2-3 ans. 2-3 ans, on s'observe. Ouais, vous observez. Voilà. C'est ça. Mais là, dernièrement, tu vois, on s'est vu. Voilà. Tu as écouté la Cour des Miracles? Bien sûr. Tu écoutes un peu pendant les matchs? Enfin, pas pendant, mais avant les matchs. Les matchs, ouais, ben ça... Je suis DJ du vestiaire, moi. Ah, c'est lui ça, qui diffuse. Donc c'est lui qui met tous les sons. C'est ça. Et bien, bienvenue à toi, en tout cas. Ça fait plaisir de t'avoir autour de la table de Planète Rap. Autour de la table, il y a qui aussi? Il y a à ma droite, monsieur YK. Ça va, Kofred? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Célèbre volleyeur aussi, hein, évidemment. Toujours volet? Non, il rappe, célèbre rappeur. Bon, ça va bien? Ça va, tu vas bien, et toi? En pleine forme? Tranquille, hein. Bienvenue dans ce Planète Rap. Pareil, la connexion. Pourquoi avoir... Connexion, pareil, hein. Des amitiés en commun. Puis après, tu vois, il y a un feeling artistique. Donc, vas-y, let's go, tu vois. Et bien, bienvenue à toi. Merci. Comme Rookie, tu vois, au début de la semaine, c'était pareil, hein. Tu sais, moi, très spontané. C'était même hier. Ouais. C'était même hier, tu vois, comme le temps passe vite. Ouais, mais c'était hier pour la Saint-Valentin, souviens-toi. Ouais, c'est vrai. Mais oui. En fait, ça passe trop vite là, il y a trop d'activités. Il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que, voilà, hier, on parle en plus du PSG qui a gagné. Oui. Bien. Haut la main, donc. C'était difficile, première mi-temps. Deuxième mi-temps, pas mal. Deuxième mi-temps, très bien. C'est passé. 2-0. Un autre invité autour de la table? Oui, Aaron, HLV. Oui, oui, baby. Ça va? Ça va, et toi, Fred? Bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap. Merci, c'est un honneur. Merci. Pareil, l'explication, la petite connexion entre vous deux? Un ami encore. Un ami. Non, mais là, c'est particulièrement un ami avec lequel qui a participé à beaucoup, beaucoup de mes sons. Tu vois, l'élaboration de mes sons qui s'appelle Recta. Et c'est le premier studio dans lequel on a posé nos projets avec Style Fresh et tout. Et donc, du coup, je suis souvent ce que fait Recta. Et un jour, il me fait écouter Aaron. Et voilà, j'ai kiffé. Donc, Aaron, qu'on peut voir dans mon premier clip d'ailleurs de la Cour des Miracles, les clés du château. Qui est disponible, ouais. Oui, qui est disponible. Allez cliquer. Ouais, voilà. Accessoirement. Là. Et surtout, allez cliquer pour aller écouter le projet qui est dispo. Et pareil, on m'a piqué mes trucs. Tu sais qu'on m'a piqué mes trucs. Déjà?
On m'a filé un magnifique album collector, bien sûr. Ok. Qu'on peut trouver. Mais ça, c'est un bon signe. Quand généralement on pique des CD, c'est qu'il y a un truc. Après, t'as vu, l'objet est quand même un peu spécial, tu vois. La cour des miracles. C'est pour ça qu'il fallait le coffret. J'aurais dû le coffret, mais j'ai laissé là bêtement ici. Bon, en tout cas, il est toujours disponible sur le site. Je vais en recommander un autre. Toujours. Esprinoir.fr. Esprinoir.fr. Ouais. Allez faire un tour. Vous avez le store dessus pour récupérer vos versions collector de la cour des miracles. Exactement. On attaque avec un morceau. Voici Signe tout de suite. Let's go. Ratus m'a dit claque pas ton bénef dans les sapes. Il y a ses pèses, a toujours sa place dans mes sacs. Je traîne avec Poula et Konaté, je traîne avec Maxence Mémé. Je connais tous les coins du boulevard, je connais la gueule des képis. Je connais tous les keufs, je connais toutes les plaques. Ouais, mon cœur est plaque, je crois que mon cœur est dead. Un œil sur les stats, un œil sur les stades. Des fois je tape un date, des fois je tape un gamma, chargé comme un famas. Je voir les racistes éventrer, les billets rentrer. J'suis comme Denzel dans Training Day, join up every day. Au milieu du terrain, let's go, je gère le pressing. Faut pas que je claque le bénef, mais je veux voir le Dior dans le dressing. Ma négresse est tressée. On vit pas dans l'allégresse, donc ma négresse est stressée. Je paie pas d'imposition, nique sa mère l'état, je change pas de position. J'impose mes conditions, j'sais où les colissons. Tous les jours, moi j'suis dans le quartier. Tous les jours, moi j'suis dans le quartier. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Tous les jours, moi j'suis dans le quartier. Tous les jours, moi j'suis dans le quartier. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Je connais tous les tours, je connais tous les fours et toutes les tours. Je dors quand le soleil court, je vise le million sans détour. Je nique ma santé pour, j'ai un côté cool et les feux me mènent. Je suis un phénomène, elle veut que je revienne. Moi je veux du budget, moi je veux le pouvoir d'achat, rien à foutre de voir. De l'achat, j'ai un contact australien dans un immeuble haussmannien. Donc on fait les choses, on fait même les doses. Avec 4 bœufs, un bateau et 12 maliens. Tu connais le processus, rime, crime. Les grands sacs de luxe, les fringues, les voitures de sport. Mais mon banquier me rappelle le score. Vous êtes à zéro, la prochaine je ferme le compte. Mais nique ce blaireau, pendant que le plus jeune de Méro place une petite bonbonne d'héros. Putain je fais DG, au lieu d'être un PDG. Faire des vols à CDG, nique sa mère un CDD. Mais bon j'aurai le BTS, je le fais pour la taraine. Je lui ai donné ma parole. Je suis dans le quartier. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Tous les jours, moi je suis dans le quartier. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Mon Dieu donne-moi un signe, 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 signe. Signe à l'instant. Oui. Quel beau morceau celui-ci. Ouais, c'est, je l'aime particulièrement celui-là, vraiment. Il est sur la cour des miracles, allez récupérer le projet d'Esprit Noir, qui est notre invité ce soir dans Planète Rap entre 20h et 21h. Vous m'en voulez pas, on a un champion olympique, je vais m'adresser au champion olympique. Non, vas-y, pas de problème. Parce que là, quand même, un champion olympique. Et avec les Jeux Olympiques qui arrivent en France, Paris. Oui, ça arrive. Paris 2018. On en a parlé. Paris 2024. Ah, on en a parlé. Ça tombe très bien, regarde, en plus, on est filmé par France Télévisions. Mm-hmm. France Télévisions, partenaire des Jeux Olympiques. Mm-hmm. Vraiment, tout est fait. Là, toutes les étoiles sont alignées. Honnêtement. Tiens, d'ailleurs, ce soir, c'est diffusé aussi le Planète Rap de Caris à 21h sur Culture Box. Okay. Et demain soir sur France 2, loupez pas le Planète Rap à la télé Caris. Bientôt le tien aussi diffusé sur Culture Box et France 2, où on verra, je l'espère, Erwin qui est là avec nous ce soir quand même. Bon, hâte ou pas hâte des Jeux Olympiques? Parlons quand même ça, sincèrement. Les Jeux Olympiques, alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ah, c'est la merde à Paris, machin, etc. Moi, je trouve que c'est quand même magnifique de vivre ça, honnêtement. C'est quelque chose. Je crois que dans un pays, dans une ville, c'est une fois tous les 100 ans, il me semble, en moyenne. Uh-huh. Donc de vivre ça, c'est quand même un truc de fou, non? Ouais, c'est clair. C'est le rêve d'un sportif, en fait. Et puis toi, en plus, tu vas vraiment, tu vas le vivre, quoi. Mais plus, ouais, c'est le rêve d'un sportif, c'est à la maison.
Et en plus, nous, on va avoir la chance de défendre notre médaille. Donc, mais oui. Paris devant notre public. Donc, 2021, la dernière médaille. C'est ça. Donc ça va être un truc de ouf. Ouais. On se prépare comment? Bah nous, on va commencer. En venant dans Planète Rap. On se prépare. Bon, écoute, en venant dans Planète Rap, simple. Non, mais en vrai, nous, on est dans nos clubs. Donc déjà c'est... T'as disais où tu joues en Turquie en ce moment. Je joue en Turquie, il y a la pression de la blessure un peu, tu vois, parce que c'est ah, ça, ce serait qu'on peut pas rater. Ce serait manque de peau ça. Et en vrai c'est vraiment la préparation, elle est vachement mentale là. Elle est vachement mentale, il y a des choses qui sont mises en place par la fédération, un vrai suivi, parce que en vrai c'est surtout la pression que va générer ce big truc qui va devoir être géré. Est-ce que le son t'aide justement? Est-ce que écouter beaucoup de morceaux, comment on lutte contre cette pression? Le son ça m'aide au quotidien, moi. Le son ça m'aide au quotidien pour préparer un match, après une défaite, quand t'es vénère, tu vas mettre du son, tu vois. Donc le son c'est quelque chose qui accompagne beaucoup de sportifs. Alors le son de victoire c'est quoi grosso modo que t'aimes écouter ou quelques sons en particulier? De victoire. Oui, enfin le truc où t'es content, quand tu mets des sons quand t'es content, c'est. Ça dépend de l'équipe où je suis. En équipe de France, c'est beaucoup peura dur, tu vois. Après quand on a les étranger, faut en mettre un peu pour tout le monde aussi. Équipe de France, c'est rap à fond. Hein. Et alors, le morceau de la défaite, là où vraiment... Le morceau de la défaite. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Ouais, hein, mais... ça n'existe pas, le morceau de la défaite. Ouais, voilà, ça n'existe pas, très bien. Il n'y a pas de morceau de la défaite, il n'y aura que des morceaux gagnants. C'est ça. Moi-même, non, vous êtes une belle équipe quand même, on est d'accord, franchement, ouais, sur le volet. On a une grosse chance. Une grosse chance. Ouais. Oh putain, t'imagines? On a un futur double champion olympique, ce qui serait quand même magnifique. Ouais, ça serait pas mal. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs de la première médaille là? La première médaille? Ouais, celle de Rio. Elle est à la maison, celle de Tokyo, elle est à la maison. Tokyo, Rio, c'était encore avant. Non, Tokyo, pardon. Non, celle de Tokyo, elle est à la maison, dans la vitrine des trophées, tu vois. On a c'est voulu. Beau. C'est beau. Ouais, les parents ont voulu essayer de la prendre. C'est mort. Ils vous donnent pas de duplicata, tout ça, des trucs. Mais à Paname, là, ils ont fait un truc où tu vas pouvoir enlever des morceaux. Je crois que c'est 5 morceaux et donner à un des proches. Ouais, ils ont fait un vrai. Ah, la médaille en 5 morceaux. Ouais. Bah écoute, on en apprend tous les jours. Ah, mais oui, il n'y a pas un bout de Tour Eiffel ou pas dedans aussi, ouais. Il paraît, genre, je sais pas comment ils ont fait, ils ont coupé un bout de Tour Eiffel. Les mecs sont arrivés avec la tronçonneuse pour les médailles olympiques, plus rien à foutre, on s'en fout. On découpe la Tour Eiffel. Non, mais c'est beau en tout cas. Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter, d'être double champion olympique. Merci. Surtout, en effet, t'as raison de pas te blesser, donc rester concentré parce que ça doit être quand même le truc. Quand même, quand t'es sportif de haut niveau, c'est le truc où à l'approche des grosses compétitions, t'es obligé d'y penser. T'es obligé d'y penser, quoi. Grave. Non, mais faut pas trop y penser dans cette émission, parce que s'il lui arrive un truc. Tranquille. Tout va bien se passer. Je suis sûr qu'on va le voir cet été. Ils vont être champions olympiques. On va kiffer. On va être derrière. Ça serait bien. Derrière, on va surtout supporter, parce que moi, je trouve que c'est quand même excitant d'avoir les Jeux Olympiques, honnêtement. Tu vois. Alors, oui, bon, après, ils vont nous augmenter le ticket de métro, les trucs, tout ça. Bon. C'est des dommages collatéraux. Mais c'est quand même super excitant. T'imagines quand même de vivre les Jeux Olympiques, c'est dans ton pays, ça se passe à Paris. C'est quelque chose. Ouais, ça va être incroyable. Ça va être un truc qui est incroyable. Quoi. Donc vivement cet été en tout cas. Et en attendant, tu fais quoi? Tu bosses un peu, tu rappes aussi? Je rappe aussi. Il y a deux jours là, j'ai sorti un petit projet, 5 titres, VHS Radio. Et c'est compliqué avec la saison de sortir des... Donc tu vois, on a trouvé ce truc là où on sort des petits projets pendant la saison et voilà. T'enregistres aussi en Turquie, en studio? Là j'enregistre en Turquie, ouais. T'enregistres en Turquie, ouais. Et donc là c'est sorti, c'est dispo? C'est dispo depuis deux jours sur toutes les plateformes, voilà. Et bon, on ira voir ça, évidemment. Le Planète Rap avec Esprit Noir qui est notre invité. Esprit aussi, donc sportif, rappeur. Oui, accessoirement. Non mais j'ai raccroché la partie sportive, j'ai raccroché. C'est vrai. Ouais. Tu faisais du foot, tu me rappelais? Ouais, du football, après du foot américain. Foot américain. De France, de foot américain. Au Flash de la Courneuve. Donc, T'as suivi d'ailleurs le Super Bowl? Ouais, j'y suis. T'arrives toujours à suivre ça, ces genres de... Ça dépend. Je te mens pas. Parfois, vers 2h du matin, ça commence à taper. Tu vois, la fatigue commence à taper. Donc, mais là, ouais, pour le coup, j'ai suivi. Ouais. Et puis, il faut comprendre que par contre, football américain, faut... Non, c'est assez simple, franchement. Je te jure. C'est un enfer. Faut y aller étape par étape. Ah bah. Je veux dire, vraiment étape par étape. Mais en vrai, c'est assez simple. Après, quand tu le pratiques, simple. Je pense que c'est aussi différent, quoi. Ouais, c'est différent. Mais moi, à la base, tu vois, je connaissais pas grand chose. Et je suis allé étape par étape, mais en moins 2, 3, 4 mois, ça y est, j'étais au diapason, tu vois. Plus simple le rap ou plus simple le sport, quand tu pratiques un peu à haut niveau, c'est...
moi j'ai envie de te dire plus difficile le rap. Plus difficile? Ouais. Pour toi beaucoup aussi? Beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vachement différent. Hein. C'est vachement différent. Mais après, tant qu'il y a la passion, en vrai de vrai, t'arrives à te rendre les choses faciles tant que tu kiffes. C'est le Planète Rap entre 20h et 21h. Dans un instant, il y aura du live d'ailleurs. Oui. Ça va tomber le sport un petit peu après ces petites minutes sportives. Il y aura beaucoup de rap dans quelques minutes. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et on écoute un morceau qui s'appelle Mes torts avaient raison. Monsieur Esprit Noir est notre invité. C'est la cour des miracles, mon pote. Je crois que le quartier c'est dangereux. Faut que je prenne un petit santé. J'aimerais faire rentrer un peu. Juste pour voir l'avenir en plus. Je crois que le mélange dans mon cheveu. Mais faut croire que c'était bien. Je crois qu'on a trop fait des cons. À croire que l'école c'était rien. Inquiet pour mon futur. J'ai quelques points de suture. Des ça en pointillé. Mon cousin ennuyé. Au poste après vite à nier. Les cours m'apprennent à manier. Les mots de la langue de Molière. Je veux pas être pieds maliés. J'suis dans ma tanière. Je me rappelle pas d'hier. J'sais juste que j'étais personne. Personne. J'attendais que mon personne, petit jeu tu me faire seul, faire seul. J'ai appris la débrouille, les pirouettes, les saltos. Si on met tout sur un cheval pour acheter un château. Les juifs, les blancs, les noirs, les moussimes, les cadeaux. On avait besoin de rien pour partager le gâteau. J'ai mes torts, j'ai mes raisons. J'suis nécessaire pour sortir de la maison. J'suis en bas du bloc, j'ai mes raisons. J'ai été sur temps presque toute la saison. C'est le Planète Rap avec Esprit Noir. Mais Thor avait raison sur Skyrock dans Planète Rap entre 20h et 21h. Le projet de Esprit Noir est disponible. Ça s'appelle La Cour des Miracles sur Skyrock. Et c'est tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Du live qui se prépare dans quelques minutes. Oui. Esprit. Oui. Donc des invités autour de toi. Il y a d'autres invités que tu voulais présenter aussi qui vont venir Oui, il y a un jeune homme qui s'appelle William aussi qui est très fort. Ouais. Bon, on le découvrira en live dans un instant. On retrouvera aussi Esprit Noir donc, et des extraits du projet. Tu as d'ailleurs un morceau qui s'appelle Kawasaki avec Leilo. Qu'est-ce que j'aime bien ce morceau? Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'adore ce morceau. Ça fait plaisir. Non, mais j'adore ce morceau. Celui-ci avec Leilo, tu nous as raconté d'ailleurs l'histoire de oui, ce titre. Du micro-ondes. Du micro-ondes? Ouais, du micro-ondes qui vient ponctuer le morceau. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un vrai micro-ondes, quoi. C'est un vrai micro-ondes qu'on a mis dans la cabine et qu'on a enregistré. En fait, on était vraiment, je t'ai dit, c'était vraiment une cour de récréation cet album. Vraiment, vraiment. Tu aurais pu le prendre la cour de récré. Mais non, c'est la cour des miracles. Ça aurait été moins sérieux, Fred. Peut-être le prochain. Non, quand même, cour de récré, t'imagines, on va traiter de quoi dans l'album? Oui, bah c'est. Bah, des conneries de micro-ondes. Mais est-ce qu'il y a d'autres histoires avec des bruitages qu'on peut entendre dans cet album? Ouais, pareil, dans Kawasaki, il y a du sel. Du sel? Ouais, du sel. Bah, tu vois, du gros sel? Ouais, le sel qu'on a utilisé. Franchement, là, on était vraiment en mode bon, vas-y, essayons de prendre ce qu'il y a autour de nous. Et essayons et de faire un morceau avec. Ouais, essayons de le mettre dans le morceau et voir comment ça peut apporter quelque chose. Et au final, on a presque tout gardé. Donc, il y a quoi alors? Du sel, un micro-ondes? T'as du sel, t'as un micro-ondes qui fait ting. Ting. Et après, non, le reste, c'est des instruments très sérieux. Très très sérieux, très très sérieux, tu vois. T'as des synthés des années 80, t'as vraiment des violons, tu vois ce que je veux dire? Vrais violons. Donc non, on a allié, tu vois, un peu loisir et créativité avec vraiment des vraies tessitures sérieuses.
Exactement. Tu n'as jamais enregistré un bruit de ballon de volée, par exemple? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans un morceau? On sait jamais. Qui sait? Erwin, t'as pas tenté non plus d'enregistrer? Non, il faut que le studio soit big. Hein. Ah bah, faut... c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait que ce soit. Il faut que ce soit big, il faut que ce soit bien protégé aussi. Aussi, que, oui, hein, oui. Le ballon va forcément atterrir quelque part. Ah ouais. Mais passe-le pendant pleine gueule parce que. Ouais, il faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Ne bougez pas donc le morceau avec du sel à l'intérieur, avec un bruit de micro-ondes. Il s'appelle Kawasaki ce morceau. Exact. On va l'écouter dans un instant juste après ça. Prête à s'envoyer comme une meuf du ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Je viens d'encaisser ma paix. Mettre la poussée ma paix. La poussée ma paix. Enraîner vers le fond de la paix. J'encaisse ma paix. En équipe comme un sanctuaire. Tu veux du Gucci Gucci, hey. J'suis en honte d'échapper devant la boutique. La génada mais bientôt j'fais tout niquer. Quoi tu me crois pas? Non j'ai pas moi. Fais-moi tourner même si j'l'oublie après. J'aime quand tu fais les frais. J'aime bien quand tu t'appelles. Baby girl, baby girl. Avec esprit on est sans immobilier. Sans business, business, technique, splinter cell. Lunettes, vision, ciné comme Scorsese. Des mille j'écoute Neptune sans Cortez. J'peux le faire encore, encore mais bon. Baby girl, chose ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. J'viens d'encaisser ma paix. J'arrive tout de suite, classy, Gucci, flashy. Même du Versace, sous mon Versace. Gucci, flashy. Gucci, flashy, Gucci, flashy. L-A-Y-L-O-W. S-P-R-I en P-M-W. Jamais sans mon C-R-E-W. Jamais sans mon C-R. L'envoi c'est la go. Tu me fais penser à elle. J'aime quand tu fais la go. Comme les mannequins dans elle. C'est moi et mes assos. Nous on contrôle la boîte. Le man fait ce qu'il a à gauche. Je vais lui rentrer la droite. T'inquiète, ok. Quand ça passe, il m'appelle. Je sais même plus c'est laquelle. Elle fait vider ma paye. Elle fait vider ma taille. Elle fait vider ma what. C'est une pussy like. Yeah. Ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais. Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Je viens d'encaisser ma paix. Le poivre, le micro-ondes. Allez-y, c'est la recette. De cuisine. C'est la recette gagnante de ce projet qui s'appelle La Cour des Miracles, qui est disponible. C'est le projet d'Esprit Noir. Esprit Noir, tu n'es pas venu seul ce soir dans l'émission. Non. Il y a autour de toi, je te laisse refaire un tour de table. Il y a YK à ma droite. YK qui est là, à ta gauche. Erwin, Gapette. Gapette, incroyable. Oui. Ensuite, Aaron. Oui. Incroyable aussi. Oui. Oui, tu vas voir, tu vas voir. Ensuite, il y a L3 qui est là-bas. L3 qui est là-bas, incroyable. Oui. Ensuite, William. William. Oui, voilà. On est prêt donc pour le live.
Est-ce que tout le monde est prêt pour le live? Et on a, tu n'as pas salué celui qui est au platine? Non. Attends. Ouais, c'est vrai. Attends. DJ Lucky, DJ. Le fameux. Depuis le début, le fameux. Le fameux. Oui, le meilleur DJ de France. Il paraît. Moi, pour moi, c'est pour toi, DJ pour toi. Après, ça reste que mon avis, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens. Il fait danser beaucoup de gens en club. Il est aussi, regarde, il est médaillé, Erwin. Regardez les médailles de partout. Oui. Médaillé, double médaillé, triple médaillé. Une médaille donnée par Travis Scott lui-même. Travis, il est arrivé, il a dit. C'est pour ça que je t'ai dit, moi pour moi, mais il y a d'autres gens aussi qui trouvent qu'il est très très chaud. C'est bon, le game est plié. Travis, il est venu comme ça, il a dit ça et toi. Mais c'est réel. Raconte-moi cette histoire, s'il te plaît, Lucky. Alors, ça fait quelques années que je l'ai côtoyé un peu à Paname. Et cet été à Rome. Je sais pas si t'as vu l'événement qu'il avait fait à Rome. Bien sûr. Tremblement de terre. Incroyable, avec le. Qui a fait vibrer. T'avais. Ouais. En effet, un séisme qui a été fait pendant le concert. Ils m'ont booké pour l'after party. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et quand je suis mixé à l'after party, Travis, il est venu, il m'a donné la boîte avec la chaîne et tout. C'est celle que t'as autour du cou? Ouais. Cactus Jack. La belle chain. Gang, gang. Bah oui, frère. Tu vas passer me boire après, je vais peut-être. Y'a rien à faire. T'as peut-être besoin d'une chaîne après. Magnifique. Y'a des médailles, excellent. Génial! Attends, je connaissais pas cette histoire, fabuleux! Ouais. Donc, super souvenir, belle soirée, ouais. Truc de dingue. Ouais, incroyable. Cadeau en plus. Ouais. Et là, je suis il y a deux semaines, il y a trois semaines, un mois, j'étais au Madison avec lui et tout, à New York. Non, mais il est trop loin. T'as vu, tu me croyais pas au début quand j'ai dit le meilleur DJ de France? Non, t'émettais des doutes. Non, parce que t'as dit c'est ton âge. J'ai pas envie de me. Attends, j'ai pas envie de me froisser avec des DJ que j'ai. Il y a beaucoup de DJ que j'aime beaucoup. Le d'ailleurs, un que j'adore qui est sur Skyrock, qui est Cut Killer, évidemment. Oui, incroyable, samedi soir. Dans respect. Je pourrais pas me brouiller avec Cut. C'est pour ça que je t'ai dit, pour moi en tout cas. Mais là, par contre. C'est pas mal. C'est meilleur. C'est le meilleur. Sure. Bon, je vous laisse faire, c'est parti, coup d'envoi du live. Let's go. C'est quand tu veux. Run. Yes. Allez, on y va, c'est la session live dans Planète Rap. Mais là c'est niette. Je m'occupe de mon buzz sur le net. Je vais même pas laisser une miette. C'est genre je te laisse même pas un gros sur le grec. C'est plus pareil quand on apparaît avec des gros culs à bord, gros appareils. Y'a que sur la première marche du podium que je veux voir mon équipe à marée. C'est sale comme Ousmane Camaro. Médaille d'or ou ça te fait la rakiri. Je peux un peu te raconter mais tu sauras pas tout. Faut que tu rajoutes du pili pili. Je suis en esprit, je suis un pirate. Prêt à pour la moula. Au bord de la mer, je prends la burrata. Une bouteille de l'ermite à mille. Je suis avec des camères qui parlent poulard. Des Galsen qui parlent colo. Quand ça va payer, je serai peut-être plus là. Faut que mes fils aient la vie des fils bolo. J'étais dans le pays des pas de bolo. Où les renois n'ont pas de boulot. Pour sortir la tête de l'eau, c'est par où faut couper la tête de l'autre. Personne n'est sectaire. Tant qu'il y a le respect, on est pépère. En ce moment, les petits, on les laisse faire. Pour qu'ils se cassent les dents, c'est nécessaire. C'est pas moi qui parle dans les vestiaires. C'est moi qui décide où investir. Avant, ça démarrait des boosters au kick. Maintenant, c'est des voitures de prestige. J'suis pas sur boulevard Ousmane, j'suis place d'Armou, avenue de la Libé. J'vais être un acquitté coupable. J'lui transmets toutes mes amitiés. On a déjà trop de frères au bagne qui sort direction la HP. Et si mon polo est acheté directement, c'est ta vie qu'on va acheter. Tu casses, tu payes. J'ai deux jambes de Cassius Clay. Rabus, roquette 900, GT AMG, j'suis up discret. On le fait pas pour les satisfaire. Jamais de la vie comme un chat qui se perd. La musique ramène que des problèmes, des sous, des faux amis et des adultères. J'sens plus rien quand j'pousse alter. On veut la vie du russe Walter. Et j'serais pas étonné si les armées africaines suivent les armées du groupe Wagner. Tu casses, tu payes. J'ai deux jambes de Cassius Clay. Rabus, roquette 900, GT AMG, j'suis up discret. On le fait pas pour les satisfaire. On le fait pas pour les satisfaire. La musique ramène que des problèmes, des sous, des faux amis et des adultères. La petite est cocasse. Du groupe Wagner. La petite est cocasse. Mais elle a un passé d'occasion. Et sur les projets on est focus. Donc je vais la revoir qu'à l'occasion. Et mais là c'est niette. Je m'occupe de mon buzz sur le net. Je vais même pas laisser une miette. C'est genre je te laisse même pas un gros sur le grec. Y'a des gâchettes faciles sur le tech. Chouka. Shoot. C'est sérieux. Ah oui. Ça rappe hein. Ah oui, hein. Merci Erwin. DJ Lucky.
Let's go, let's go. Yeah. Baron. HLV. La fabrique. Colum 9-2. Winter Wavy. Yeah. Yeah. C'est toujours la même avec toi, oui. Avec un nine, ouais. On a jeté le bike. On part dans la cave, on a jeté le bike, ouais. Sous aïe, je shine, yeah. Oh, la vie est nice. Oh, la vie est nice, nice. Rien que je shine, yeah. On pouvait vous aimer avec un nine, ouais. On a jeté le bike. On part dans la cave, on a jeté le bike, ouais. Sous aïe, je shine. Oh, la vie est nice. Rien que je shine. T'as pas vu que c'était la fin de la quête, yeah.
J'ai plus rien pour toi, c'est pas compliqué. Je peux pas te l'expliquer, mais ce n'est pas de ta faute. J'ai trop cherché à te l'indiquer, mais même expliquer, mais ce n'est pas de ta faute. Esmeralda, dis-moi où on va. Y'a plus de chemin qui nous mène à notre amour. Est-ce qu'il est pas ça? Comment tout va? J'étais en kiff, mais j'ai pris le billet retour. Yeah, j'ai voulu follow et j'ai pas trouvé. Appelle-moi quand tu l'auras trouvé. Le chemin de l'amour ou de la fierté. Fierté. J'ai voulu follow et j'ai pas trouvé. Appelle-moi quand tu l'auras trouvé. Le chemin de l'amour ou de la fierté. Fierté. J'ai mal à la tête et je vois flou. L'histoire elle est sans fin, on va où? Est-ce qu'on est déjà au bout? Est-ce qu'on est bien là? C'est indécent. Comment t'as dû t'y c'est indécent. Parle-moi. C'est indécent, indécent. Bébé, force, détends. J'ai plus rien pour toi, c'est pas compliqué. Je peux pas te l'expliquer, mais ce n'est pas de ta faute. J'ai trop cherché à te l'indiquer, mais m'expliquer, mais ce n'est pas de ta faute. Esmeralda, dis-moi où on va. Y'a plus de chemin qui nous mène à notre amour. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Comment tout va? J'étais en kiff, mais j'ai pris mes retours. Yeah, j'ai voulu follow et j'ai pas trouvé. Appelle-moi quand tu l'auras trouvé. Le chemin de l'amour ou de la fierté. Fierté. J'ai voulu follow et j'ai pas trouvé. Appelle-moi quand tu l'auras trouvé. Le chemin de l'amour ou de la fierté. Fierté. C'est le tracé, toute l'équipe, on monte le son. Oui, Monsieur William, c'est la cour des miracles. Let's go. Let's go. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle arrive avec classe. Un verre de rouge l'attend près de la glace. Tout le monde est abonné, moi je l'ai que pendant l'extase. J'y pense encore, de passer un mentor. Une nuit à Venise ou à Vegas, ça m'est égal. Le salon te vient de fermer ses portes. Encore une fois je me retrouve seul. Tu sais moi je suis pas né dans une Porsche, mais j'avais pas rien dans le portefeuille. Elle voulait faire la parisienne, entrer dans les quartiers de Paris 7. C'est beaucoup moins drôle sans toi. Seul dans le salon de thé, je me sens archipède. J'ai connu ces nuits où je demandais à mes démons comment viser dans le mille. Et qu'est-ce qui se passerait si un jour je me jetais dans le vide? Oh, je me dis qu'avec juste une clope pourrait brûler la ville. Will, t'aurais dû oublier cette fille. Oh, t'aurais dû oublier cette fille. Vinyle de disco. Je sais qu'elle connaît ma discographie. Je ferai pas de discours pour ramener dans mon lit une vie trop facile. Oh, c'est pas son cœur. Elle sait que j'ai fait des chiffres, mais au fond c'est quoi son cœur? Oh, elle fait des playbacks sur mes chansons. Quand va-t-elle comprendre que les temps sont durs? Ciel noir, brouillard et nous dansons. L'amour en hiver fait que les tensions durent. Elle voulait faire la parisienne, entraînant dans les quartiers de Paris 7. C'est beaucoup moins drôle sans toi. Seul dans le salon de thé, je me sens archipède. J'ai connu ces nuits où je demandais à mes démons comment viser dans le mille. Comment viser dans le mille. Et qu'est-ce qui se passerait si un jour je me jetais dans le vide? Je me jetais dans le vide. Oh, je me dis qu'avec juste une clope pourrait brûler la ville. Will, t'aurais dû oublier cette fille. Oh, t'aurais dû oublier cette fille. Je pourrais brûler la ville. Je pourrais brûler la
compte et vient de fermer ses portes. Un jour j'oublierai ses balivernes. Comment j'ai pu vider mes poches juste pour que tu passes un bel hiver. J'ai fermé les portes. Un jour j'oublierai ses balivernes. Comment j'ai pu vider mes poches juste pour que tu passes un bel hiver. J'ai fermé les portes. Bien vu mon pote. Let's go. Esprit. Let's go, mon gars. C'est carré. Envoie, mon pote. La Cour des miracles, c'est disponible, ma gueule. Let's go. HP de la cité. Let's go. Ça rapporte donc on traîne, donc on traîne, donc on traîne. On traîne jamais pour rien. Nous tester, est-ce que t'as les reins? Hein? Dis-moi, est-ce que t'as les reins? Personne ne bouge, que personne ne bouge. Quand Kadhafi, je fais peur à la meute. Yeah. J'enfile les gants, je pars bosser. Voler chez les riches. Yeah. Je laisse zéro balouche. Avec FLR, je suis dans le crime. Avec FLR, je suis dans le crime. On parlera pas deux fois. Sinon, ça sera bizarre pour toi et ta team. Tentative d'homicide. La prod demande 30 mois, elle va venir négocier. Je suis l'HP du ghetto. Augmente le volume, cette année ça va régime. On vient tout prendre, tout prendre, elle tout prend. Je suis cagoulé derrière ma bande. Non, ma bande, elle ma bande. Maintenant qu'on rappe, ils veulent qu'on s'arrange, mais c'est baiser. C'est baiser. C'est baiser. HP la cité. Augmente les basses, faut qu'on m'entende. Qui paiera. Augmente les basses, faut qu'on m'entende. Dans le ghetto, j'suis cramé. On passe de la repie au chromie. On prend la parole, on accentue le bail. Si on est lié, ça bougera pas. Pour le sang, on fait couler le blood. J'suis bousillé par le TH. Bousillé par le THC. Là, ils font les fous, c'est des ML. Des ML. Suffit d'un feu pour les faire cavaler. Comme alcool à 40 degrés. Leur bâti fait moins 4, ça empeste. Le voisinage fait qu'alerter. J'suis bousillé par le TH. J'suis bousillé par le THC. On bosse le chamallow, on bosse la zeb aussi. Là tu veux me baiser, The Beast. Là ça sent le calibre, tu parles en Harry. J'crois t'es baisé, The Beast. Là tu veux me baiser, The Beast. Ta mère si tu touches à mon pain, la zig c'est un tremplin. On se refait sur un kill de bédo, Nico. On parle pas trop au bigo, ça fait des échos. Au deux roues plaqué, je suis dans le fond du riff. On parle plus en plaquette, on parle en tonne. Antoine ou en kill de zip. Dans tous les cas ça sera lucratif. On a des sous, elle a brûlé son cul. La folle elle veut monter dans le Q7. Je suis cramé dans l'Audi Sport. J'évite de traîner ou ça vend les cassettes. Elle veut monter dans le Q7. Je suis cramé dans l'Audi Sport. Donc j'évite de traîner ou ça vend les cassettes. Si on est lié, ça bougera pas. Pour le sang, on fait couler le blood. Je suis bousillé par le TH. Là, ils font les fous, c'est des ML. Suffit d'un feu pour les faire cavaler. Je suis bouillant comme alcool à 40 degrés. Leur bâti fait moins 4, ça empeste. Le voisinage fait qu'alerter. Je suis bousillé par le TH. Bousillé par le THC. On bosse le chien malou, on bosse la zèbre aussi. Là tu veux me baiser, The Beast. Là ça sent le calibre, tu parles en Harry. Je crois t'es baisé, The Beast. Là tu veux me baiser, The Beast. De la cité, augmente les boss, faut qu'on entende. Si, mon pote, c'est la fête des miracles. Oui, merci à tous ceux qui sont venus. Très chaud, ouais. Elle cassait pas la tête, ces temps-ci, je laisse pousser les pattes. J'ai la flemme de tout, même la flemme de réchauffer les pattes. Ok, c'était bien les potes, mais la plupart ils font les putes. Quand il fallait sortir les pattes, quand il fallait sauver ta répute. J'étais là, comme dans GTA, comme dans GTO. C'est la ceinture parisienne, les armes font la météo. Aucun rang du texte m'a envoyé chercher des canettes. Moi, je suis pas fait pour Pôle emploi, pour le transport des palettes. J'ai mal au cœur, mais c'est pas la gueule, Mademoiselle, veut qu'on se fasse la malle, qu'on se baladeur. Je me rappelle, j'écoutais le doc dans le baladeur. 18ème, marquette. Et l'on passe le crack.
jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. Et par moi ta jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. J'suis dans les checks, c'est la foire du trône, c'est la cour des miracles. Ça sent le mafé, le tchep, le THC, donc tu sais qui rappe. Si tu paies pas ce qu'il faut, dans les temps, tu sais qu'on sévira. Moi j'suis pas coqué comme Tony Money, j'veux pas d'Elvira. J'ai vu mon pote bourré tirer sur le videur du silencieux. Il avait pas mis de silencieux, choqué par la détonation. Vu le mal qu'on a pu faire, faudra qu'on fasse des donations. Même si on fait rentrer de l'oseille, faudra qu'on garde nos relations. J'ai failli avoir des gosses parce que j'ai fait le fou avec elle. Je reçois ces messages qui me disent qu'elle a encore des séquelles. Encore une cicatrice à vie, une de plus que je garde au fond. Moi j'suis pas fait pour être dealer. Pour être guetteur dans le four. La vérité, ce qu'on a hérité, on l'a mérité. Moi je fais partie des gosses qui partent pas voir la mer l'été. Ta parole est vaut rien, même pas je m'y fie. Tu changes de face quand y'a les filles, j'appuie R1, je me qualifie. Et par moi ta jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. Et par moi ta jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. Et par moi ta jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. Et par moi ta jalousie, jalousie. T'imagines même pas tout ce que j'ai dû affronter. Désolé mon pote, mais je vais devoir m'absenter. Désolé mon pote, je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. J'ai la monnaie dans la tête qui me dit I just wanna fuck with you. Désolé mais je vais devoir m'absenter. Je laisserai pas le ghetto me niquer la santé. Jamais mon pote. Si si si. Je suis un mauvais garçon. Oui oui oui. C'est la cour des miracles. Esprit noir, négro. Si si si. Esprit noir, négro. Fougère 20ème. Let's go. C'était une très très grande session live très dans Planète Rap. C'était bien, hein? Je suis grave content. Nouvelle avec Kervin qui nous a régalé. Je suis grave content. Vraiment, merci les gars. Merci. Et tueur. Ça va s'envoyer, hein? Ça a envoyé. YK, il l'a envoyé. William, il l'a envoyé. Aaron, il l'a envoyé. L3, il l'a envoyé. Arvin, il l'a envoyé. Ça fait plaisir. Esprit, il l'a envoyé. Ouais, non, tranquille, moi, t'as vu, tranquille. T'as envoyé, non, aujourd'hui, c'est eux. Aujourd'hui, c'est eux. La vie d'homme. Merci à vous, d'ailleurs. On va faire un petit dernier tour de table pour vous suivre, vous retrouver, même s'il y a des choses à annoncer. Vas-y. Je connais, moi, ça bosse le projet. Là, on a teasé un son avec Cash Magnum, Boleman et Dadju. On va re-teaser un autre son avec Maes là. Et pour te suivre sur les réseaux, YK officiel partout. Hein. Partout. Partout, partout. Et on peut te retrouver. Merci à toi en tout cas pour le live. Yes. Merci à toi. Merci, on continue le tour de table. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, c'était William. J'ai sorti un album, Salon de thé. Il est sorti il y a deux jours. Très chaud. Et sur les réseaux, William NVQ, sur Instagram. Yes, voilà. Bienvenue, mon pote. Merci à toi, William. Merci. Vas-y, prends le micro aussi pour nous dire, vous deux aussi, hein, les gars. Le H levé. Allez-y. Du coup, moi, on peut me trouver sur Instagram, aaron.hv, H-A-R-O-N, Winter Wavy, bientôt. Des ordures, ouais. D'ici quelques, quelques mois, quelques semaines. D'ici quelques semaines. Quelques semaines. Ouais, il y a un titre récemment qui est sorti. Là, on envoie les séries de singles avant la sortie du projet. En bien. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et merci également. Attends. On va filer le casque et le micro aussi pour saluer celui qui est avec nous aussi dans la session live de Planète Rap. L3. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, retrouvez-moi sur TikTok, L3 officiel, Instagram pareil. Tout ce qui est son, il y a rien pour l'instant qui est sorti, mais ça va arriver prochainement, dans les prochaines semaines. Let's go. Ça va arriver fort. Let's go, mon pote. Tout ça, ça va arriver lourd, lourd. Merci à toi, en tout cas, d'être passé. Avec plaisir. Hervin, un gros merde, hein? Merci beaucoup. Bonne préparation. Yes. Ramène-nous la médaille à la maison. Enfin, on est à la maison, donc a priori, comme ça. Faut qu'elle reste là. Faut qu'elle reste là, la médaille. Et puis surtout, voilà, on rappelle qu'il y a le projet dans le rap qui est sorti, là, qui est disponible. VHS Radio 0.1 qui est sorti il y a deux jours, là. VHS Radio 0.1. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller récupérer ça fort. Bonne chance aussi au club Ankara. Tu retournes quand, là, en Turquie? Ce soir. Ah, bah.
un petit crochet pour le Planète Rap d'Esprit ouais, Noir. Ouais, franchement. Merci vraiment d'être passé. D'être là, ah ouais, merci d'être passé vraiment. Invités, c'est lourd. Merci de c'est un régal. Et puis, bah, Erwin, pareil pour le suivre. On te retrouve sur tous les réseaux, hein, je suppose. Ouais, Erwin Ngapet, Insta, surtout Insta. Surtout Insta. Ouais. Pour avoir toutes les infos. C'est ça. Et pour suivre ton actualité sportive. Merci vraiment. Merci. Bien, mon gars. Esprit, tu seras là demain. Oui. Rassure-moi pour la dernière de la semaine. Oui, quand même. Oui, avec des invités, avec des surprises. Avec ouais, avec des invités, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire. Avec Travis Scott au platine. Pardon, excuse-moi, Lucky au platine. Non, pardon, Lucky, pardon. C'est DJ ça Lucky. Ton problème. Oui, c'est ça. Ton problème. Lucky, on l'invite. Pardon. Non, on a fait des belles soirées avec Lucky. On s'est régalé. Hein. Oui, on s'est déjà croisé. Mais Fred, on connaît ton palmarès. Très tard dans la nuit. On s'est déjà croisé. J'ai oublié, mais on connaît ton palmarès. Non, Fred, vraiment, je tenais vraiment à dire merci à mes ouais. invités parce que c'est important pour moi de tu vois j'ai une sensibilité qui est un peu large ouais, qui est très large mais tant mieux et du coup ils sont vraiment représentatifs de tout ce que j'aime dans le rap tu vois ce que je veux dire ou dans la musique tu peux aimer des choses très pointues tu peux aimer des choses musicalement très ouvertes aussi bien sûr et des gros kickers tu peux aimer quand ça kick voilà c'est ce que ouais. j'allais dire aussi que Erwin ouais. t'as capté ça en voix tu vois après il y a les Aaron L3 William tu vois c'est dans la mélodie et tout et ça me représente donc je suis content. Mais c'est aussi un petit peu voilà, ce que tu as toujours fait aussi dans, pour le coup dans ton parcours musical. De faux. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que celui-ci aussi est particulièrement aussi, il y a une grande ouverture aussi sur cet oui, album. Et, oui, c'est un album dans lequel je rappe beaucoup. C'est même un de mes albums où je rappe le plus, tu vois. Mais paradoxalement, c'est l'album où j'ai ramené le plus d'instruments, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est joué vachement aussi. Ouais. Exactement, donc c'est ma dualité. Et, voilà, tu vois, je suis content. Allez récupérer, ça s'appelle La Cour des Miracles. C'est vraiment un très bel album qu'il faut avoir absolument. Soit vous le streamez, soit vous le récupérez aussi sur le store. Hein. Oui, Esprit Nord.fr. Esprit Nord.fr, voilà. Mm-hmm. Pour récupérer cette magnifique version collector de La Cour des Miracles. Yes, I. Et je le disais, donc demain tu seras de retour. Oui. Ce sera déjà la dernière de la semaine. Ouais, déjà. Mais on va se régaler encore. Pourquoi tu fais pas de deux semaines? T'as jamais pensé à ça? On a déjà fait, il y a très longtemps. Mais ouais. Je penserai pour les prochaines fois avec toi. On fait trois semaines en Grèce ou à Ankara? Ouais, je vais vendre le truc. Vous avez beaucoup parlé sentiments. On peut commencer. Écoute, vas-y. On commence des week-ends. Ouais, on démarre. Ce dernier match, c'est chaud. Waouh. Bah, on vient d'en mettre du son. Ankara, quelle température en ce moment, par exemple, Erwin? Comment? Là, c'est un 10, hein. C'est un 10 degrés. Ouais, mais bon, beau mais temps. Après, ouais, rappelez, là, ça va arriver. Là, il va commencer à faire beau. Là. Ankara, c'est pas mal quand ouais, même. Ouais, c'est bien. Hein, c'est... Ouais. On est bien quand même, Ankara. On est bien. On mange bien. Ah, ouais, on est très bien, Ankara. On mange bien. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi, Fred. Et rendez-vous demain pour la suite de ce Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Esprit Noir est là. Et là, on va retrouver D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre. C'est parti, coup d'envoi sur Skyrock.